sommes partis en vacances pour 4 jours à Narbonne et nous sommes plus précisément à Fleurien. Chez mon grand-père qui habite à Coursan. Et puis on est parti cet après-midi à la maison que nous avons louée. Donc je vous ferai un petit tour vite fait de la maison juste après. Donc après on est parti vers 2h15 pour arriver à 2h30 ici. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Et puis cet après-midi, après avoir déposé nos affaires, nous sommes allés à la plage. Franchement, c'était super, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas parti en vacances. Désolée, je change de bras à chaque fois parce que j'ai très mal aux épaules en ce moment. Donc voilà, ça faisait 2 ans qu'on n'est pas parti en vacances à cause de soucis de santé. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir de se prendre une pause et là, de partir vraiment en vacances. Donc on est arrivé tout à l'heure, on a posé bagages et puis on est parti à la mer. Et puis quand on est parti à la mer, on a marché le long de la plage et ramassé d'ailleurs quelques coquillages. Là, on va les voir. Ils sont là, je vous montre. Tac. Là, vraiment très peu de coquillages. Hein. Là, c'est mon bracelet. Mais voilà, et celui-là, c'est le coquillage franchement que j'adore le plus. J'adore en trouver. Là, je suis vraiment super contente d'en avoir retrouvé. Mais franchement, c'est les coquillages que j'adore, ceux-là. Celui-là en particulier. Après, voilà, j'en ai ramassé que très peu. Hein, voilà, surtout les coquilles, j'aime bien aussi. Et voilà, et ça je trouve quand même c'est super joli. Donc voilà ce que j'ai pris. Et puis voilà, donc là c'est les petites affaires que j'ai dépliées. Ça c'est le livre que je vais lire un peu pendant les vacances. C'est Je l'ai gagné à la masse critique de Babelio. Donc franchement je suis vraiment très contente. Un petit livre, franchement ça fait plaisir. C'est Mort point final. Donc voilà, je vais lire ça pendant les vacances. Hop, je vous reprends ici. Donc voilà ce que je vais faire un peu. Et puis cet après-midi, on a fait également les boutiques. On a fait quelques boutiques souvenirs, regardez, et tout aux alentours. Il y a un tout petit peu de cette foraine, mais on ira voir un tout petit peu plus tard. Et puis là, j'ai acheté déjà mon premier souvenir de vacances. Peut-être que je vous le montre. Donc c'est un petit souvenir à... celui-là, ça...
6,60 €. Là, on commence à le voir au travers. Il trouvera bien sa place dans ma vitrine. Zut, on a mis du scotch et du coup, j'arrive pas à ouvrir d'une seule main. J'y arrive. Après, je vous ferai un petit tour vite fait de la maison. Ah, voilà. Je filme à côté. Oui, il y a deux lits dans cette chambre où je suis. Donc, voilà, moi, je suis assise sur l'autre. Je vais dormir sur l'autre. J'ai presque fini. Désolé, ça prend du temps. Donc, voilà mon premier souvenir. Voilà, c'est bon. C'est cette tortue. Mon premier souvenir. Là, c'est ça. Il y a marqué ici Saint-Pierre-la-Mer. Mais en fait, c'est un autocollant. Donc, je peux très bien l'enlever. Donc, voilà. Donc, il fera partie de ma collection. Il est vraiment très sympa. Si je fais un petit zoom là. Franchement, en plus, c'était la seule pièce qui restait de ce modèle. Donc voilà, je l'ai acheté en souvenir, donc voilà, comme je vous ai dit, 6,60 €. Voilà, une super belle pièce. Franchement, je l'adore, je suis super contente de ce tout premier souvenir. Donc voilà, donc demain on va continuer à faire un peu les boutiques souvenirs et également faire les magasins. Comme je vous ai dit, je vais faire maintenant un petit tour vite fait de la maison. Je vais commencer par la chambre. Donc là, vous voyez, là moi je suis ici, je vais dormir ici cette nuit. Là. Tac. Là, donc on voit l'autre lit sur lequel là j'ai été installée. Donc là, on voit. Après, pour ce qui est de la vue, ce qu'on va voir. Bon, en fait, il y a une vue sur les. Là, sur les, un peu là, les arbres. Après les maisons, la rue, après on voit en bas chez les propriétaires, puisqu'on est à l'étage, ils sont dans une autre partie au rez-de-chaussée. Mais franchement, c'est bien indépendant. Donc on continue. Donc là, on a mis. C'est pour vous montrer. Donc là, il y a l'escalier qui amène au rez-de-chaussée. Enfin voilà. Fenêtre, la chambre là, de ma mère. Là, c'est les pièces de ménage. Donc là, on arrive. Désolée pour le soleil. Donc, dans la salle de bain. Ah, ok, j'avais pas vu moi non plus ce matin. Donc, c'est comme ça. Donc là, voilà pour la salle de bain. Donc là, il y a les toilettes. Ensuite, donc là c'est la partie cuisine. Donc il y a le tout. Là bon, il y a la vue chez les voisins. Mais bon, c'est déjà pas mal. Là on a posé un peu les affaires. Donc c'est le coin de cuisine. Là il y a un petit balcon. Comme on peut voir. J'y vais pas dessus parce que j'ai quand même le vertige. Donc voilà pour ce qui est de la maison. Tac, le coin télé, un autre petit balcon de l'autre côté. Donc en bas c'est les propriétaires. Là c'est un petit coin, de l'autre côté on a le droit d'avoir accès. Donc là c'est sympa. Tac, oui moi j'ai installé mon PC ici parce que il n'y a pas de place dans la chambre pour l'installer. Sinon ben voilà moi je suis là installé à la table dans le couloir. Mais sinon, j'ai pas trop de place. Donc je peux pas le mettre dans la chambre en tout cas. Puis là, de retour dans la chambre. Tac. Donc voilà, on est de retour dans la chambre. Voilà. Bon, j'ai pas défait toutes mes affaires. Ah oui, et là, ça c'est pour ranger, mais je l'ai pas utilisé. Donc voilà. J'ai ouvert toujours le mauvais, j'ouvre toujours le mauvais. Donc là, tout ça c'est à eux. Et puis
J'ai mis ma valise. Donc elle est dans le coin là-bas. Et puis voilà, après il y a des sacs, j'ai mis mon sac de PC, voilà. Mais j'ai pas utilisé ce coin rangement. Donc voilà, je referme. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être en vacances et il fait vraiment bien bien chaud ici. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette première vidéo. Donc je vais essayer de filmer de temps en temps. Je vais vous emmener avec moi si je peux. Et puis voilà, donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Salut !